Puissance 7. Je viens encore par ce témoignage remercier le Dieu de Papa Florian, le chemin du ciel, Papa Adou et Maman Béné, Papa Bishop. Par ce témoignage, je viens encore confirmer la puissance de la serviette. La puissance de la serviette. Alors, ce témoignage date du janvier 2024, le 1er janvier 2024, disons. Aux environs de minuit, je me suis mis à prier et invoquer le Dieu de Papa Florian pour cette année, afin que sa miséricorde soit et que sa main aussi nous accompagne dans toutes nos activités pour l'année 2024. J'ai aussi prié pour le chemin du ciel, voilà, et pour Papa Florian, ainsi que pour son anniversaire, ainsi que moi, je suis le 30 décembre. Alors, je l'ai aussi fêté comme je pouvais. Donc, je disais à propos de la serviette, aux environs de 3 heures du matin, après avoir fini de prier, je me suis endormi dans le canapé. Et puis comme ça, je me trouvais au salon ici. Je suis sorti à la maison, je veux dire. Je suis sorti de la maison et je marchais dans un quartier. C'était un quartier avec un quartier précaire, je peux dire, avec plein de cailloux par terre comme ça. Donc, je marchais sur les cailloux, et puis j'ai pris... une voie, disons, les couloirs de... Je vais un peu me référer aux maisons de Sikoji. Les couloirs, voilà. Alors, je marchais dans ce couloir-là. Et puis, je suis sorti à un carrefour. J'ai vu 4 femmes qui sont sorties de nulle part. Comme ce qu'on voit dans les dessins animés. Elles sont sorties comme ça, dans l'air. Elles sont sorties comme ça devant moi. 4 femmes arrêtées devant moi. Et puis, elles me disent, toi, tu es qui? Tu penses que quoi? On a commencé à discuter et puis je regardais et je cherchais d'où elle venait. Je cherchais, je tournais, j'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit vous êtes qui? Elle dit tu penses que quoi? Et puis elle m'éloignait, elles avaient des yeux bizarres. Alors qu'est-ce que le Dieu de Papa Florian va faire? Et puis la puissance de la serviette. Alors ces femmes, en discutant avec ces femmes-là, automatiquement j'enlevais cette serviette. Je me rappelle de cette couleur. Cette serviette-là, je l'ai depuis 2018. Depuis 2018, je laisse cette serviette-là. Alors, sans réfléchir, je ne sais pas quelle force qui m'a pris, mais elles étaient devant moi en train de bavarder, m'insulter, et puis bon, comme si j'avais eu déjà la victoire auparavant sur elles. Donc, elles sont venues, si je veux dire, pour prendre leur revanche. Et puis, sans réfléchir, je ne sais pas, mais une force m'a pris comme ça, et puis, j'ai enlevé la serviette de ma hanche, parce que moi, je les porte à ma hanche. Donc, j'enlevais ça de ma hanche comme ça, et puis il y a une qui voulait m'attraper. Et puis, j'ai commencé à les frapper avec la serviette. Et c'était 4. Donc, quand je tape une, il y a une qui se déplace. Elle bouge comme ça, je sais pas. Elle bouge, comme les effets spéciaux. Elle bouge. Donc, quand elle sort, je la tape. Elle sort, je tape. Il y a l'autre qui sort, je la tape. L'autre sort, je la tape. Et puis maintenant, le combat était vraiment rude. Donc, j'ai pris position et puis j'ai fait 2 coups de poing et puis j'ai la serviette en main. Donc, quand elles apparaissent, je tape, elles attaquent, je tape. J'ai commencé à les taper jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Alors, je me suis mis à partir. Je regarde derrière moi, il n'y a rien. Je regarde derrière moi. Alors, au bout d'un certain moment encore, après avoir fait quelques pas, je regarde à gauche, il y a une petite fille qui apparaît. Et puis, je me suis approché et... j'ai mis mon visage devant elle en disant, « Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui ?» Et puis, elle me regardait avec ses yeux bizarres. Elle tourne comme ça, « Tu es qui? Tu es qui ?» Alors, je voulais la taper avec la serviette. Et les mêmes femmes, comme ça, sont apparues encore. Il y a une qui est venue saisir la petite fille, comme si elle empêchait la petite fille de parler. Donc, ces deux bras qu'elle a pris pour saisir le col de la petite fille, moi, j'étais à côté avec la même serviette. Je frappais ses mains. Je disais qu'elle lâche la petite fille pour que je lui parle. Mais la petite fille me regardait. Et puis, la dame l'avait saisie de force comme ça. Comme si elle lui disait, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Et moi, j'ai commencé à m'échauffer. Mais la serviette, je ne l'ai pas lâchée. C'est avec la serviette que je frappais ses deux bras qu'elle a pris pour attraper la petite fille. Et j'ai commencé vraiment à être en colère. Avec la serviette, je l'ai frappé. Je l'ai tellement frappé qu'elle a fini par lâcher les bras, les cols de la petite fille. Et je regarde, la petite fille n'est plus. La petite fille n'est plus. Donc, je voulais encore là témoigner de la véracité, de la puissance de la serviette. La serviette, comme papa le dit, il y a le jus dedans.
Il y a le jus dedans, il ne faudrait pas qu'on les jette. Ça, c'est une serviette de 2018 que j'ai à la maison ici. Les serviettes, j'en ai au moins une quinzaine, 18 même, 19, j'en ai plein. 2018, 2017, toutes ces serviettes-là, ça date de 2018, 2017 et 2019. Et je ne les ai même pas encore jetées. Comme papa le dit, il y a le jus dedans. Ça même, il y a la rouille, mais ça est encore là. Voilà, j'ai tout gardé. Je ne les jette pas. Voilà, donc les serviettes, il y a le jus dedans. À chaque commande, je dis à papa de me mettre une serviette là-dedans, ça va me servir. Voilà, donc ça sert. Depuis 2017, cette serviette, c'est cette couleur que j'ai vue en songe. Donc, j'ai la serviette de la puissance 7 et puis la serviette prophétique. Mais celle-là, comme papa dit de ne pas les jeter, moi, je les ai à la maison ici accrochées un peu partout. Donc, celle-là, elle date de 2018. 2017-2018, je me rappelle très bien. Voilà, donc c'est avec cette serviette-là que j'ai combattu en songe. Voilà, donc le Dieu de papa Florian veille sur ces éléments. En tout cas, la serviette, moi, la serviette, franchement, je ne sais pas mettre beaucoup de songes sur la serviette. Mes combats sont avec la serviette. J'ai aussi encore un témoignage sur la serviette. Donc, je voudrais dire merci au Dieu de papa Florian d'avoir permis que je combatte dans ce songe-là avec la serviette. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, ne jetons rien, car papa le dit encore, il y a du jus dedans. Ce n'est pas la peine de les jeter. Voilà, je remercie le Dieu de papa Florian. Tu as dit, une fois encore, toutes mes excuses, ton fils de l'Italie. Je n'ai pas encore baissé les bras. Tu as dit, ton Dieu est encore là. Que ton Dieu ne m'abandonne pas. Je prie pour toi et joyeux anniversaire encore, papa Florian. Que Dieu t'accorde longue vie, ainsi que maman Béné et le chemin du ciel. Merci à tous ceux qui témoignent, papa Adou, papa Fugence, et une fois encore, merci pour les prédications.